Véronique Bartin, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre livre ? Oui, mon livre, et donc c'est l'équitation par la technique Alexander. Et donc c'est un travail sur le cavalier, le fonctionnement du cavalier, optimiser le bon fonctionnement du cavalier et dans son fonctionnement du corps et dans le fonctionnement de son mental. Si, on voit des fois des cavaliers qui sont tellement à vouloir bien faire, qui sont tendus, et du coup ça a des conséquences sur leur fonctionnement corporel. Ou des gens qui sont un peu atones à cheval et du coup, bah, mentalement, ils ne sont pas très forts pour aller sauter ou aller passer des fossés. Donc, il y a toujours un lien entre le corps et le mental. Et donc, mon livre, ça parle de ça. La deuxième question, c'est donc la thématique d'Équitalion aujourd'hui, c'est le bien-être du cheval. Alors oui, le bien-être du cheval, pour moi, c'est très, très important. Mais ce qui est aussi très important, c'est le bien-être du cavalier. Et quand on travaille, quand le cavalier travaille sur lui, il impose moins son mal-être au cheval. Et donc, je pense que pour le bien-être du cheval, c'est important que le cavalier se remette en question, se pose les bonnes questions, se pose avant d'aller monter, s'étire, soit équilibré dans son corps, équilibré dans sa vie. Parce que sinon, c'est au détriment du cheval. Et pour moi, le bien-être animal, il passe aussi par la responsabilité du cavalier. Et comment le cavalier, il doit se mettre comme un athlète qui va faire une compétition et respecter le cheval. C'est de cette façon-là, pour moi, ça assure bien le bien-être du cheval.